Juste avant de commencer la vidéo, les amis, je tenais à préciser que je serai aujourd'hui le 29 octobre à la Paris Games Week pour une séance de dédicace de mon livre à 14h dans le hall principal au stand du libraire. Donc n'hésitez pas, tous ceux qui y passent aujourd'hui, à venir me faire un petit coucou, parler de Clash Royale, de Clash of Clans, les amis, ça serait super sympa. Et je serai également là demain matin peut-être, ou demain en début d'après-midi, enfin je serai là dimanche aussi. Donc aujourd'hui, gros pack opening sur mon compte principal en partenariat avec l'application Cash4Raps. Vous voyez, c'est les 14 000 gemmes qu'ils m'ont donné, donc c'est super, cette application vous offre en exclusivité aujourd'hui 30€ de cartes iTunes ou Google Play à gagner en tirage au sort si on atteint les 10 000 pouces bleus. Donc à vous les amis d'exploser la barre des likes pour activer ce concours, pour vous faire aussi vous un petit opening sympathique. Donc les gagnants seront annoncés dans une semaine. Pour participer, qu'est-ce qu'il faut? Et bien il faut être abonné à la chaîne, hein, parce que c'est un concours uniquement réservé aux abonnés. Faut mettre un petit pouce bleu à la vidéo et me laisser un commentaire en me disant quel est votre meilleur deck actuellement sur le jeu. Vous voyez, il n'y a que 3 petites chose à faire et vous avez une semaine pour participer. Donc je vous présente en très rapide l'application, elle vous servira à cumuler justement facilement des points pour vous faire gagner gratuitement, je le précise, des cartes cadeaux et vous faire ouvrir plein de coffres sur votre compte. Cette fameuse méthode donc pour obtenir des gemmes gratuitement, c'est l'application Cash4Raps. Vous aurez juste à cliquer sur le lien en description de cette vidéo, vous mettez bien évidemment le parrain ou l'ami que vous voulez, comme ça vous direz pas que c'est moi qui ai les points d'affiliation sur votre dos. Donc ici vous voyez, vous pouvez mettre soit login si vous avez déjà un compte ou register si vous voulez vous créer un compte. Moi je me log, hein, parce que j'avais déjà créé mon compte, juste à rentrer un mot de passe et une adresse email. Ici moi j'avais coché me notifier quand mes points arrivent, comme ça vous avez directement une petite notif et vous savez quand vous obtenez vos points. Donc sur l'application en elle-même, vous avez deux onglets importants, l'onglet application tout simplement, où vous avez le nombre de points que vous pouvez obtenir en les téléchargeant, et l'onglet rewards. Donc ça c'est les récompenses que vous pouvez récupérer grâce à l'accumulation de ces points que vous pourrez bien évidemment échanger en carte iTunes ou en carte Google Play, et après vous achetez plein de petits coffres. Donc quand vous avez téléchargé, là par exemple j'ai pris un exemple Logikimo, une application, donc c'est marqué en anglais en dessous, hein, vous aurez juste besoin de rester aller à peu près 30 secondes dedans, et encore des fois c'est même plus rapide. Vous avez juste, voilà, vous naviguez un petit peu dessus, vous regardez 2-3 petites choses. Donc là on fait l'exemple en direct, donc acheter, louer, donc nous on veut acheter, par exemple on veut acheter à Paris, on est fou, on veut acheter à Paris, donc ici, et normalement tout de suite vous devriez avoir un petit bandeau, une petite notif en haut, et voilà, vous avez vu, c'est très très rapide, vous recevez déjà 77 points, on a presque rien fait, donc c'est quand même juste magnifique. Donc bien évidemment après vous pourrez supprimer les applications que vous avez téléchargées sans aucun problème, hein, pour pas les laisser comme ça traîner si vous les utilisez pas, et vous allez recevoir vos points pratiquement comme vous avez vu à chaque fois instantanément. Et si jamais vous avez un problème, de toute façon vous pourrez écrire au support, soit directement via l'application ou via l'email que je vous aurais mis en description. Donc de toute façon ça marche bien, vous allez voir, vous allez pouvoir vous faire justement plaisir, c'est légal, c'est gratuit, ça marche, et le nombre de points en plus sur cette appli, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est assez important et ça va assez vite, donc voilà, vous verrez de toute façon d'autres personnes utiliser ça dans les commentaires de la vidéo. On est parti les amis donc pour ce fameux pack opening, on va commencer avec les coffres gratuits que j'avais. Donc qu'est-ce qu'on va ouvrir d'abord? On va d'abord ouvrir celui-ci, on sait jamais, peut-être qu'on pourrait avoir une légendaire et ce fameux cimetière qui me ferait extrêmement plaisir justement de vous le proposer dans une vidéo. On va voir ça, on va voir ça. Donc ici boule de feu, ok, et 25 géants royal, et le jeu géant royal qui est clairement remis au goût du jour en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de gens qui le rejouent à fond les ballons. Donc ici, ce petit coffre à couronne, qu'est-ce qu'on a? Ok, 2 gemmes, 27 canons, gobelin à lance, 8 méga gargouilles, pourquoi pas, et de la sorcière, ok, une sorcière. Donc ici, ensuite, on va enchaîner avec le coffre géant donc. Alors, de l'or, ça fait toujours plaisir, ok, méga gargouille x3, 28 golems de glace et des flèches, pourquoi pas des flèches. On va enchaîner avec le coffre magique et après on fera que du super magico. J'espère vraiment aller chercher cette carte. Donc Tesla, golem de glace, ok, bombardier, donc les flèches, le bouliste, 20 pierres tombales et du feu à gobelin, ok, pourquoi pas. Donc on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, j'ai vraiment envie d'aller choper cette fameuse carte. Donc c'est parti, on va commencer à s'ouvrir un premier coffre, donc allons-y. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ok, 50 archers, ça fait longtemps que j'avais pas ouvert de super coffre magique. 32 golems de glace, on peut le passer au niveau au-dessus, ok, méga gargouille pas encore niveau 9. 3 boulistes, ok. Alors, 474 canons, ok. De la cabane de gobelins, de la gabane. Et
Du géant squelette, la loose. Oh non, j'ai envie de pleurer. Bon alors attends, on enchaîne. Allez, un autre petit coffre ici. Allez, faut absolument qu'on aille chercher cette fameuse carte légendaire. Sinon, on essayera peut-être d'aller sur les comptes des gens de mon clan. Il faut absolument qu'on la voie popper, cette carte. Donc ici, ok, golem de glace, du bouliste, des flèches, ok, 308 bombardiers, 57 boules de feu, 74 méga gargouilles, ça nous permet toujours pas de la passer au niveau 9. Et encore des épiques, mais je n'ai vraiment pas de chance aujourd'hui, mais c'est pas possible. Allez, pour le dernier coffre quand même, on veut au moins une légendaire là, c'est quoi ce bordel là? Alors 4332, ok, 32 électros, 156 barbares, 335 archers, bon là pour le coup là je me recharge en commune hein. 60 fournaises, ok, 77 golems de glace, on n'arrête plus, 23 princes ténébreux, ça fait toujours plaisir. Et le mineur que j'ai, en plus je croyais qu'il me restait encore une autre carte, mais dans le mineur qu'on va pouvoir passer bientôt au niveau 3. Bon ok, un petit peu déçu, je n'ai pas eu la carte, donc on va se retrouver tout de suite. Là j'enchaîne, je regarde si je peux pas aller vite fait un petit peu sur le compte des abos pour sur le compte des gens de mon clan pour aller chercher une petite carte. Nous revoilà, on est donc sur le compte de RAM, donc je vais commencer à faire des ouvertures un petit peu sur les gens de mon clan qui ont bien voulu me garder leur meilleur coffre. Regardez-moi ce magnifique compte, donc RAM que je vous parle souvent par rapport à ses decks, etc. Donc voilà, il est 8ème de mon clan, on va se faire plaisir, j'espère vraiment pouvoir lui apporter du coup ce fameux cimetière, je sais qu'il le veut absolument, donc on va voir, on va tester tout ça. Alors par quoi on va commencer? Je pense par les petits coffres gratuits, on va y aller crescendo. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ok, de l'or, des gemmes, 9 gargouilles et 2 golems de glace, ok, dans les petits coffres en bois. Hein, franchement, si avec moi, mon pauvre mineur que j'ai eu dans mes super magical, si lui, dans un coffre en bois, je lui sors un cimetière, je lui vole son compte, hein, clairement, je lui vole son compte. Donc ici, coffre à couronne, ok, 598, 2 gemmes, 21 hordes de gargouilles, 47 mortiers, 7 valkyries, ok. Et un golem, ça fait toujours plaisir, une carte épique ici. Alors, qu'est-ce qui lui manque, lui, en fait, à lui? Oh, il est déjà au niveau max pour les flèches. Ouais, il est déjà au niveau max pour les flèches. Ok, ouais, il lui manque vraiment que ça. Qu'est-ce qu'il joue, le RAM, là, en ce moment? On va regarder. Ouais, ça, je sais que c'est son deck favori. Ok, ça et ça. Ok. Ok, pourquoi pas. Donc, alors, on va commencer un petit peu avec les coffres. On va y aller toujours crescendo avec d'abord les épiques. Donc, ici, prince, ok. 4 boulistes. Et du bébé drag. Ensuite, on va d'abord se faire un Magical, donc on sait jamais, hein. On rappelle qu'il y a quand même des chances aussi d'avoir des légendaires dans le Magical. Donc ici, 18 gobelins à lance, 22 canons, 4 méga gargouilles, 48 mortiers, ok, 9 cabanes de gobelins, 9 golems de glace et 4 PK. 4 PK, je pense que ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir, 4 PK, surtout dans un petit coffre comme ça. On enchaîne donc avec le super coffre magique, gratuit en plus, je précise. 4239 or, 9 sorciers, 3 fûts à gobelins, 42 méga gargouilles, ok, 523 gargouilles, ça c'est impressionnant. Il va pouvoir le passer au niveau 12. 86 géants. Et 20 princes, 20 princes, c'est énorme. C'est énorme là, bientôt niveau 7. Franchement, prince niveau 7, ça tue. Donc s'il y a eu masse épique, vous vous doutez bien que la dernière carte, c'est forcément une carte légendaire. Est-ce qu'on va voir le cimetière? Et là, vraiment, ça serait la folie. Oh, un zappy, ça fait toujours plaisir, un petit zappy. Donc voilà, bon, il va être un petit peu déçu, mon petit RAM, hein, si tu regardes la vidéo, mais bon, un petit zappy, ça fait toujours plaisir. Donc ici, on a encore une chance, on peut effleurer, caresser l'espoir de sortir cette fameuse carte. Donc là, ça va être direct. Allez, pas plus longtemps en suspense, on y va, attention. Et un mineur comme moi, décidément, c'est l'opening des mineurs. Désolé mon petit RAM, ça sera pas pour ce coup-ci. On enchaîne avec le compte d'un second membre de mon clan Tink Royal, Jaja Genesis. Donc voilà, on va se faire plaisir, vous voyez, il y a des beaux petits coffres. Là, on va commencer par celui-ci, hein. Donc 197 or, 2 méga gargouilles, ok, 2 fournaises. Esprit de glace 33 et bébé drag, un bébé drag. Donc là je vais un petit peu vite par rapport à ça. Ensuite on enchaîne avec ce coffre là, donc 1711 or, 1 PK, ok, ça fait plaisir ça. 31 golems de glace, ok, bon là il va pouvoir le passer au niveau 6. 272 barbares, on enchaîne avec le super magical, enfin le magical tout simplement. 574, donc squelette x 13. Ensuite on enchaîne avec 2 golems de glace, décidément il a pas mal de golems de glace. 26 Tesla, donc 5 fournaises,
48 mortiers, 16 mousquetaires, ça fait toujours plaisir dans les decks, et 4 boulistes, ok pour ce coffre, et attention, on va enchaîner avec le meilleur coffre, le Super Magical, donc 4772 or, 94 esprit de glace, donc 95 barbares, donc là ces barbares ont bien augmenté, 99 squelettes, ok, 236 électros, attention, on n'a pas eu d'épique encore, 136 golems de glace, masse épique, donc 23 boulistes, ce qui annonce forcément une carte légendaire, donc qu'est-ce qu'on va avoir pour ce petit Jaja Genesis. Attention, et la bûche, c'est la bûche qui arrive. Donc voilà, bon bah forcément ce n'est pas encore le sort de cimetière, c'est clair, mais bon, on n'aura pas réussi à l'avoir au final, mais voilà, ça fait plaisir. Et on avait aussi le petit coffre de tournoi, il m'a dit de l'ouvrir, donc il avait fait 12 victoires, enfin avec 2 défaites, donc 2000 or, ok, 26 géants royal, donc ça fait toujours plaisir, surtout que ça revient beaucoup là en ce moment, 63 mortiers, pareil, beaucoup de decks mortiers en ce moment, 10 roquettes et géant squelette, ouais, géant squelette. Bon, voilà. Voilà pour ton compte Jaja Genesis qui a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir qui s'appelle Jaja Genesis aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à participer au concours. Hein, suivez les étapes du début de la vidéo. Franchement, vous avez des bonnes petites chances de gagner 30 euros comme ça de cartes. Donc, ça peut faire super plaisir et les résultats vont arriver dans très très vite sur ma chaîne hein, d'ici une semaine. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance. Nous, on va se retrouver très très prochainement pour de prochaines vidéos Clash Royale. D'ici là, portez-vous bien et surtout, hein, n'hésitez pas à passer me voir si vous passez à la PGW. Je serai super content de vous rencontrer. Voilà, salut.